Alors ce projet, c'est un projet qui est quand même positif, individuel et collectif, hein, pour la société et surtout pour tout le monde, pour la jeunesse et pour les entreprises. C'est aussi un partenariat avec l'IFSB, parce que l'IFSB, ça fait longtemps qu'on travaille, et pour le ministère du Travail, parce que tout ce qui aide à notre jeunesse, les entreprises sont très concernées par ce fait-là. Et nous sommes toujours devant des problèmes de recrutement, surtout techniques. Comme vous voyez derrière la machine que vous venez de tourner, c'est une machine qui est complexe pour prendre au niveau du travail et qui a une technologie très particulière qui s'appelle le GPS avec un nivellement automatisé. D'abord, pourquoi l'IFSB ? Parce que nous avons confiance à cet organisme qui est un organisme quand même qui a déjà fait ses preuves et qui a un recrutement et qui a une formation exigeante. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas se le cacher, cette formation, elle a aussi un recrutement, un but de recrutement. Dans le sens où on forme directement l'entreprise, on intègre le jeune directement en entreprise et ça permet aussi à nos anciens de voir des jeunes arriver. Et oui, ça permet aussi de rajeunir un peu notre pyramide des âges. Pourquoi ? Parce que nous sommes une entreprise assez vieille et qui permet de renouveler un peu notre effectif. Il y a aussi que nous sommes dans une perspective de formation très exigeante. Nous sommes CARTNIPE et ISO, et dans ce contexte-là, la formation est très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'être au niveau réglementaire, hein, parce que la réglementation a des exigences, et deuxièmement, pour la sécurité au niveau de l'entreprise. Donc, c'est un tout. Lorsqu'on a un organisme de formation comme l'IFSB, ça permet de recruter des jeunes volontaires, il faut qu'ils soient quand même volontaires, hein, volontaires qui veulent aller dans ces métiers-là d'avenir, parce que c'est un métier d'avenir, vu les technologies qui s'imposent de plus en plus. Et on le voit encore sur cette machine, je vais me répéter, mais on le verra aussi sur les autres machines, vous allez voir, il y a quand même des systèmes de gestion électronique qu'il faut maîtriser. Et la formation des jeunes, à la base, est une richesse pour l'entreprise. Et surtout, également, c'est la transmission du savoir-faire de l'entreprise. Et ça, c'est très important pour nous. Pourquoi ? Parce que c'est une valeur de l'entreprise. La transmission, l'intégration du jeune dans l'entreprise. Voilà pourquoi. Alors, il faut savoir que CARTNIPE n'est pas à sa première expérience, puisque nous avons formé aussi des chefs de chantier juniors et nous avons pris aussi des maçons à la formation ADEM, via l'IFSB toujours, qui est notre partenaire privilégié. Le facteur humain des candidatures est très importante aussi, la motivation des gens est très importante. Il faut que les gens y viennent dans ce métier-là et qu'ils en veulent, parce que sinon, ils ne vont pas faire ce métier-là. Ça, c'est vrai. Et en permanence, les effectifs d'entreprise, elles changent. Elles changent en fonction de plusieurs facteurs. Et l'un des facteurs le plus important, il est économique. Hein? Si les entreprises vont bien, il y a moins de chômeurs. Donc, si nous, on va bien, on arrivera plus à intégrer les jeunes dans la formation, dans le travail, dans la vie professionnelle des jeunes. Et du coup, on est lié par ça. Mais nous avons toujours été partenaires de l'IFSB et nous avons toujours été présents quand il fallait pour l'IFSB et pour l'ADEME. Alors, c'est une démarche d'abord positive, individuelle et collective. Et ça, on ne peut pas ne pas y adhérer, d'abord. Pourquoi ? Parce que c'est l'avenir de nos jeunes. Partenaire de l'IFSB et soutien de l'ADEME,
Nous sommes pour réduire le chômage de ce pays-là. Et pour cela, surtout le chômage des jeunes. Et nous voulons former des jeunes dans notre secteur qui en a foncièrement besoin. CKK ayant une triple certification ISO est une entreprise dans son engagement personnel dans la formation. Et la formation prend une grande importance dans notre entreprise via l'IFSB, une importance opérationnelle. Sensibiliser les jeunes à la formation dans notre secteur est très important pour notre pays, très important pour le secteur et très important pour notre activité, surtout dans la technologie de notre activité. Vous voyez ici plusieurs personnes autour des machines avec des technologies différentes qu'il faut gérer, qu'il faut adapter pour une qualité de produit donné aux clients. Et ça, c'est très important. Les jeunes doivent aller dans ce sens-là, la technologie pour une meilleure qualité. Et c'est pour ça que nous allons dans ce sens-là. Et c'est une plus-value pour tout le monde, plus-value pour la société et plus-value pour les entreprises. Voilà pourquoi nous adhérons à cette initiative pour les jeunes.